Bonsoir, le temps était maussade ce dimanche et même froid pour la saison. Des températures dignes d'une fin novembre, voire d'un début décembre, et cela ne va pas s'améliorer ce lundi. Temps gris quasiment pour tout le monde le matin, avec des pluies actives sur les régions du sud-est, de la neige en montagne, quelques éclaircies près des côtes de la Manche, avec tout de même des averses pour le nord de la Bretagne et pour le Cotentin. L'après-midi, toujours un temps plus que maussade, des pluies qui vont remonter de la Méditerranée jusqu'à la Bourgogne, pas mal d'activités, avec de la neige à basse altitude sur le massif central, même chose pour les Pyrénées, toujours des averses du côté de la Bretagne ou encore de la pointe du Cotentin. Et puis vous notez le vent très fort du côté du golfe du Lion ou encore vers la Corse. Côté température pour votre lundi matin, ce sera souvent hivernal entre 0 et 5 degrés en moyenne, d'où quand même pour la Corse avec 16 à 18. Et l'après-midi, des températures qui seront dignes d'un mois de janvier, 4 à 7 degrés sur la majeure partie des régions. C'est très bas pour la saison. La chaleur quand même du côté de la Corse avec 22 à 24 degrés à cause du flux de sud qui va être tempétueux en soirée, des pointes à 140 km à l'heure du côté des extrémités de l'île ou encore sur les crêtes, soyez très prudents. La pluie va remonter progressivement vers le nord-est avec beaucoup d'activité et dans la nuit de lundi à mardi, la neige va s'abaisser jusqu'en limite des plaines entre le massif central et le sud de la Champagne. Ça devrait tenir au sol des 300 à 400 mètres à peine. On vous en reparlera évidemment en détail dans le bulletin de demain soir. Mardi, la pluie qui va remonter vers le nord et vers la Belgique, elle tombera à très basse altitude le matin entre les Ardennes et les Vosges, avec même par endroits de la neige sur les plateaux. Ça ira mieux au sud et à l'ouest avec un ciel variable et les températures totalement hivernales pour les régions les plus au nord, mais elles remonteront partout ailleurs pour retrouver des niveaux un peu plus corrects. Mercredi, nouvelle offensive de la pluie, particulièrement dans le sud, avec beaucoup d'activités entre les Cévennes et la Côte d'Azur, avec également de très fortes rafales de vent, toujours donc des conditions bien perturbées, mais cela va se radoucir avec l'après-midi, 12 à 15 degrés sur de nombreuses régions, et jusque 20 degrés pour Ajaccio. La tendance avec jeudi et vendredi, on conservera un temps instable au sud-est, avec des averses également au nord-ouest. Vendredi, averses qui vont se raréfier entre les Alpes et la Corse. Ailleurs, ça sera plutôt variable et surtout beaucoup plus doux que précédemment. Et le week-end prochain devrait rester perturbé, avec le retour de la pluie samedi par l'ouest et qui devrait intéresser la plupart des régions dimanche. On est vraiment parti pour une période plus qu'automnale. Demain, nous serons le lundi 29 octobre et nous fêtons les Narcisses. Bonne soirée à tous et à demain.